Alors que Betty Leboeuf, elle aussi, est dans les tribunes, la femme de Franck, avec les épouses des joueurs. Ulrich Ramé place son mur, mini-mur, Bichatelli, Sarasudi, David Trezeguet. Bien frappé, bien frappé. Et but. Et but pour la Belgique sur ce superbe but de Debouc. C'est le défenseur, oui, Glenn Debouc qui ouvre le score. Très très bien frappé, remarquablement frappé, ballon qui est passé au-dessus de Youri Djurkaev et qui a été prolongé remarquablement par Debouc, un petit peu même avec l'occiput, presque la nuque. En tout cas, c'est un ballon lobé qui n'a laissé aucune chance à Ulrich Ramé. Ballon. Et la Belgique mène 1-0 après 20 minutes de jeu. On demande même s'il le détourne pas un peu avec le dos. En tout cas, attaquant des Girondins de Bordeaux. Emmanuel Petit toujours pour tirer ce corner. On a vu Kevliger un petit peu à la peine sur les coups de pied, sur ses coups de pied de coin. Turquet, faut frapper. Oh là, il y a bien. Oh. Et but. Franck Leboeuf contre son camp, enfin il y a eu un peu de tout. Oui, en tout cas il y a but, ça c'est sûr. Et il me semble qu'il y avait une main apparemment. On va revoir ça, il y a eu un gros cafouillage. Est-ce que c'est Leboeuf ou est-ce que c'est un autogol? Mais contre le... Il me semble déjà que sur la frappe de... J'en suis sûr, sur la frappe de Youri Djurkaev, il y a eu un coude qui a freiné la course du ballon. Ici... et on va voir sur la remise. Non, c'est un but contre son camp, me semble-t-il. Il y a Daniel Van Buiten qui est dans le coup. Il me semble effectivement que c'est Van Buiten qui la touche en dernier. Il y a Gert Verheyen qui fait incontestablement faute. Et puis si on reste là, on voit pas grand chose. J'ai bien l'impression que sont impliqués dans ce but. Détourner ça en corner. Les 3 minutes de temps additionnel sont commencées et je vous rappelle que à la fin de ce match, hein, il y aura un petit arrêt, un petit temps mort, mais il va y avoir une cérémonie tout à fait exceptionnelle que je vous invite à ne pas manquer. Car il y aura certainement beaucoup beaucoup d'émotions. Attention, quel but de Wilmots à la dernière minute. Oh, quel but! Sous la barre, rien à dire, rien à faire, c'est le buteur de l'équipe de Belgique, il en a déjà marqué 24, c'est le 25e. Oui, 25e et c'est rien à faire. Le but de la victoire. Magnifique but de Marc Wilmots sur cette échappée là. À la dernière seconde. Il marque beaucoup de buts, il marque souvent. Et celui-là n'est certainement pas le plus vilain. Superbe but de Marc Wilmots.